Nous, on met tout en œuvre en fait pour qu'ils puissent naviguer en sécurité. Pour nous, c'est très important de satisfaire le client. Je m'appelle David, ça fait 23 ans que je suis dans le groupe Beneteau et je suis à Castillard. À Castillard, c'est l'agencement du pont, du bateau. Tout est percé, nous, on n'a plus qu'à poser et boulonner. En fait, ça va être de la pose, donc soit du collage ou siliconé, avec un boulonnage derrière. Winch, bloqueur, les capots, le support vitrage, après les vitrages, la casquette. Il y a beaucoup de choses sur ce bateau-là, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, quand j'arrive, il y a des caisses qui sont déjà toutes prêtes, qui ont été préparées en amont, en fait. Donc avec la visserie, la longueur de vis qu'il faut, et tout. Je les prends, je silicone, je pose. On a des process à bien respecter. On est soumis à quelques habilitations selon la difficulté en fait, de la pose. Là, il a été déjà percé. Donc moi, j'ai plus qu'à dégraisser, à mettre le silicone et visser. Par exemple, un vitrage, il faut une habilitation. Tout le monde ne peut pas poser un vitrage. Il y a vraiment une procédure à bien respecter, qu'on apprend en formation. Et après, donc le formateur vient nous habiliter pour coller les vitrages. Ouais, moi j'aime bien ce que je fais. Ouais. C'est en fait, il y a quand même une partie sécurité aussi pour le client. Quoi. On ne fait pas n'importe quoi. On respecte bien donc, les procédures qui fait qu'on met pas le client en danger. Quoi. On a des couples de serrage aussi pour certaines choses. Il y a des choses qui sont très importantes à respecter. Ouais. Avec 23 ans d'expérience, j'ai quand même beaucoup de recul sur ce que je vais poser. Je sais quelle vis il va falloir pour telle pièce inox. Après, il y a des choses qui sont assez compliquées, tout ce qui va être collage. Là, j'enlève le surplus de silicone. C'est ça. En fait, ça va un peu partout. C'est à nettoyer, c'est pas si simple que ça. Sans moi, il manquerait le guindeau, les winches, il manquerait les bloqueurs, les cadennes. Donc, sans moi, on ne pourrait pas naviguer, tout simplement.